c'est la la la. Gonna feel beat cassette, but take on to a neve. C'est la cinquième édition des Copains d'abord. À mon avis, pour vous, c'est pas la première. Alors moi, je suis une fidèle des Copains d'abord puisque j'ai participé, je crois, à la première à New York, qui était un hommage à Edith Piaf au Beacon Theatre. C'était vraiment un super souvenir. Et puis après, on s'est tous retrouvés à Tignes, à la neige, et c'était pas mal pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la neige comme moi, hein, voilà, forcément. Moi, j'étais plus à Bretagne, la montagne, c'était moins mon truc, donc c'était assez drôle, cette petite édition à Tignes. Et puis ensuite au Franco de La Rochelle, c'était assez mémorable aussi, et puis sur la scène Saint-Jean d'Acre. Et en fait, la seule édition que j'ai manquée, c'est la Corse. L'été dernier, voilà, bon, bah, on a manqué la Corse. Mais bon, en fait, j'ai manqué la Corse parce que j'étais un peu vexée que ça ne se fasse pas en Bretagne plus tôt. Parce que j'ai milité pendant des années pour qu'il y ait une édition en Bretagne, ce qui était pour moi logique en plus, parce que, voilà, pour plein de raisons. Et puis voilà, pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait avant. Alors voilà, j'ai un peu protesté. Puis finalement, cette année, non seulement on le fait en Bretagne, mais non seulement sous un soleil de rêve, et pour faire taire toutes les mauvaises langues qui nous disent « Ah non, en Bretagne, ça risque d'être compliqué, parce que tu comprends, là, s'il pleut, machin, bon, toutes les espèces de pseudo... » Voilà, non, mais ouais, d'abord, et puis de pseudo fausses raisons. Voilà. Donc finalement, ça s'est fait et on est trop contents. On a posé des questions tout à l'heure aux artistes, on leur a demandé quel artiste justement pour vous évoque le mieux la Bretagne. Tous, à l'unanimité, ont répondu Nolwenn. Il y avait beaucoup d'artistes, mais certainement parce qu'il y avait beaucoup d'artistes de ma génération, et puis qui sont peut-être pas forcément qui connaissent peut-être pas forcément bien toute la musique, tous les grands artistes du coin. C'est un honneur, non? Ouais, non, mais c'est... Bah ouais, mais c'est... Bah ouais, je... non mais ça me fait bizarre parce que là je sors de 2 heures de répète avec Alan Stivell et pour moi d'entendre un truc comme ça c'est une aberration, forcément. Mais à la fois je leur en suis très reconnaissant parce que ça, au-delà de bien sûr de c'est que j'ai modestement, très humblement réussi à faire le lien finalement entre... à un moment donné, entre finalement plein de gens qui ne connaissaient pas forcément cette musique, un peu partout ailleurs en France, et aussi une jeune génération, et qui les a amenés aussi à maintenant se tourner vers tous ces autres artistes, où ils n'auraient pas forcément été dans les magasins de disques, dans le corner musique celt, musique bretonne. Et c'est, voilà, c'est, si je me dis que j'ai... On va dire que je suis parvenue à jouer ce petit rôle-là. Oui, voilà, c'est une bonne chose parce que finalement, ça met la lumière sur des artistes tellement extraordinaires et qui représentent tellement la Bretagne et depuis toujours. Anciennes et nouvelles générations aussi, des gens comme Gwenin, comme Rosen, comme Cécile Corbel, comme... Enfin voilà, et Darner Brass bien sûr, et Alan Stivell, et Gilles Servat. Enfin, c'est génial. J'en oublie plein, mais ça sert à tout le monde. Et d'avoir fait ce petit lien-là, voilà, ça me fait super plaisir. Est-ce que si vous devez en choisir un seul artiste qui incarne la Bretagne, ce serait qui? Alan. Bah ouais, parce que moi c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure lorsqu'il chantait, sa voix résonne en moi. C'est extrêmement bouleversant, en fait. C'est une voix que j'ai dans le cœur et dans les oreilles depuis toute petite. Et il a, je ne sais pas, une fréquence aussi dans la voix qui m'émeut. Et il a une voix de jeune homme, quoi. Je disais, c'est incroyable parce que il a un timbre de voix. Sincèrement, quand on l'entend, on a l'impression d'un mec qui fait du rock et qui a 20 piges, quoi. C'est incroyable cette qualité de voix qu'il a. Et dans le timbre, dans la texture de la voix, il n'en est pas comme regarder avec des grands yeux comme ça. Ah bon, ah bon? Je dis, mais tu n'as pas conscience? C'est incroyable. Et puis, lorsqu'il fait résonner sa harpe, en plus, là, c'est le. Voilà, c'est la. C'est, là, je suis au paradis. Ah ouais. Ben, Slimane, bienvenue sur RMN. Merci. C'est la cinquième édition des Copains d'abord, donc un spécial Bretagne. C'est une première pour toi? Pour les Copains d'abord ou en Bretagne? Pour les Copains d'abord. Pour les Copains d'abord, non, c'est une des premières émissions que j'ai faites après The Voice, etc. Donc je commence, je crois, à faire partie de la petite famille. Donc c'est cool, c'est toujours un plaisir. Donc je suis très content. Donc il y a les plus grands, hein, quand même, aux affiches, sur les affiches, Julien Clerc, Calogero, etc.
On peut dire maintenant que tu fais partie de la cour des grands, vraiment, dans la scène française. Non, moi je viens de commencer. Je suis qu'à mon premier album. Il y a le deuxième qui sort cette année, mais. Non, on va dire qu'ils m'invitent dans leur maison pour l'instant, mais ça me fait plaisir, donc non, c'est top. Et ça fait quoi de partager la scène avec des artistes comme ça, c'est toujours un grand plaisir, je suis content de les rencontrer. Et puis c'est bien aussi parce que sur les copains d'abord, comme on reste plusieurs jours, ça nous permet aussi de discuter, de rencontrer les gens, d'apprendre à se connaître, donc c'est toujours un plaisir. Et vous chantez quoi ce soir? Alors ce soir, je chante mon nouveau single qui s'appelle J'en suis là, qui est un extrait du deuxième album qui sortira à l'automne. Et je chante un duo avec Claudio Capeo sur Amsterdam de Bren. Là, je suis en Bretagne, très content d'y être avec le soleil en plus, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Et j'en suis à un moment où je suis en tournée, où je suis heureux, où je suis en train de préparer un deuxième album qui me fait rêver et vivre des expériences encore assez folles. Donc je suis rempli de bonheur, je suis très heureux. Il n'est pas encore terminé cet album, c'est ça? Non, on est en train d'y travailler, voilà, il sortira à l'automne, donc j'ai encore un petit peu de temps pour le finir, donc c'est cool. Pas de date donc officiellement encore. Non, à l'automne, sûrement au mois d'octobre, j'espère au mois d'octobre. Voilà. Donc on est à Quimper. Vous avez quel rapport avec cette région? Alors moi j'ai eu la chance d'assez bien connaître la Bretagne, mais surtout autour de Brest et Plougastel, Plougarneau, tout ça, parce que je venais tous les étés pour chanter. Donc voilà, je connais pas mal quand même la région, donc je suis très content d'y revenir. En plus, j'avais pas eu la chance de pouvoir y passer pendant ma première tournée. J'y serai sur la deuxième, donc ça c'est cool. Mais voilà, très content d'être là, de revoir le public breton, c'est toujours un plaisir. Vous avez un souvenir avec le public breton en particulier? Il y a quelque chose de spécial, le public? Alors je crois que les premiers bars où j'ai chanté en Bretagne, j'étais assez surpris à quel point on pouvait encaisser. Et, puisque moi je suis pas le dernier, mais je crois qu'eux sont les premiers. Non, c'est la fête, c'est la joie de vivre, c'est des gens, quoi, moi vraiment, mais ça, la Bretagne et les concerts en Bretagne font partie de mes plus beaux souvenirs de musique, parce qu'à chaque fois c'était beaucoup de partage, beaucoup d'émotions. J'aime foncièrement, et c'est sincère, c'est pas pour faire genre parce que je suis ici, j'aime foncièrement le public breton, et voilà, je suis très très content d'être là. Bonjour. Salut. C'est Julien, mon ex. Salut. K.O. quoi, ceux qui ne le connaissent pas, tu vois. On peut dire que c'est l'un des KPO. Ouais, tout à fait. Bah écoute, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, ça fait 9 ans qu'on se supporte, qu'on s'aime, qu'on se kiffe, qu'on se fait du bien. Cinquième édition des Copains d'abord, c'est une première pour vous? Bah les Copains d'abord, non. Par contre, on en a déjà fait quelques-unes. Et puis bah écoute, c'est toujours bonheur, c'est toujours plaisir de revenir, parce que du coup, bah c'est devenu une petite famille, il y a plein de potes, donc c'est sympa quoi. Alors justement, à vos côtés, Julien Clerc, Raphaël, aussi Julien Doré, on peut dire que désormais Claudio Capeo fait partie de la cour des grands? Oh, je sais pas, en tout cas moi je suis toujours aussi petit, mais après c'est vrai qu'on les voit de plus en plus, donc écoute, c'est un gros kiff, c'est un rêve de gosse, et puis tu sais, c'est toujours assez foufou pour nous de croiser ces gens-là, donc on en profite toujours autant, on est toujours aussi bien, aussi content. Voilà, Qu'est-ce que ça représente justement d'être sur scène avec d'autres artistes comme... Bah ça représente tout simplement, on se dit que voilà, il y a eu 25 ans de travail, chacun dans son coin, et puis 9 ans sur scène en tant que Claudio Capeo, donc on va dire que le travail paye un peu, et que on a peut-être le droit présent d'y être quoi. Donc c'est beaucoup de travail qui nous emmène jusqu'ici, donc c'est plutôt cool quoi. Quelle chanson vous allez jouer ce soir? Alors ce soir on va jouer Dis-le-moi. Dis-le-moi, c'est un nouveau titre qui va sortir pour octobre, novembre, un truc comme ça, donc pas tout de suite, mais voilà, c'est on a hâte de le faire, ça va être une grande première pour nous. C'est une première, pour tout te dire, on connaissait pas l'émission même, j'étais jamais tombé dessus. Moi non plus, c'est tout nouveau là. C'est une première et on est content parce que ça se passe en Bretagne, et nous la Bretagne, c'est pas qu'on connaît bien, mais on vient souvent en concert ici, et chaque fois c'est super ambiance, donc c'est cool que ce soit ici. Non, je vous cache pas qu'on connaît, franchement, on va pas faire les artistes qui font genre, qui trouvent un endroit, on ne connaît strictement rien la Bretagne. Moi je suis plus du genre à chambrer mes potes qui sont d'origine bretonne ou qui vont en vacances là-bas en leur disant mais pourquoi tu restes pas ici, il fait pas beau là-haut. Mais c'est vrai que ce qui est cool ici, c'est que les gens sont très fiers, un peu comme chez nous à Toulouse, ils sont encore, voire plus, ils sont très très fiers de venir d'ici, et j'aime bien ce côté-là, il y a toujours des drapeaux en concert. Et alors je sais pas si c'est le cidre qui aide ou quoi, mais en concert il y a
toujours une ambiance de dingue. On a des beaux souvenirs à Brest, aux Vieilles Charrues, on a fait des super festivals. Et on fait pas mal de festivals ici. Ouais, mais c'est pas vraiment en Bretagne, non, ça, ouais. Attention, on te fait pas. Non. En tout cas, on fait beaucoup. Landerneau, on fait beaucoup de concerts. Et... Landerneau, par exemple, on fait beaucoup de festivals ici en Bretagne. Je sais pas, oui. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'on fait là, tu vois, mais comme on nous a invités, on vient, c'est super cool, quoi. Non, ça... En tout cas, nous, on est contents qu'ils nous invitent. On est jeunes, on fait du rap. C'est pas tout le temps qu'il y a du rap à la télé. Du coup, si ça permet de faire découvrir. Ouais, si ça permet de faire découvrir un peu notre musique à des gens qui n'écouteraient pas d'habitude et ou par naturel, ben c'est ça fait plaisir. Dans le bagarre de l'Ambiwe. Bonsoir, Quentin. Eh bien, ben Gauvin, bienvenue. Merci. Sur RMN. Donc, on est là pour l'émission Les Copains d'abord, ouais. En Bretagne. C'est une première pour vous ? Ouais, exactement. La première fois, Les Copains d'abord. Et bon, pas la première fois en Bretagne, mais voilà. Première télé ici. Et comment ça s'est passé pour vous venez ici ? Ça, c'est, Bah non, c'est ma maison de disques qui m'a dit que j'étais invité sur cette émission. Et je suis ravi. Ouais. Et donc, beaucoup d'artistes hein, au programme. Des grands noms de la chanson française. Ça fait quel effet, comme ça, quand on débarque Bah, ça fait plaisir d'être associé, justement, à ces grands noms-là. Et puis voilà, j'ai hâte d'être là ce soir, surtout, pour chanter la chanson, quoi. Si vous allez chanter quoi, alors ? Alors, je vais chanter un petit bout de « Dès que le vent soufflera » de Renaud, et puis un bout de ma chanson, aussi, à moi, qui s'appelle « Pourvu ». Bah, en fait, j'étais pas venu avant de faire de la musique. Et je suis super content, parce que là, je crois que c'est la 6e fois qu'on vient, avec Martial, qui m'accompagne, et à chaque fois, c'est des super souvenirs. Les premières parties de Renaud, c'était vraiment une ambiance assez incroyable ici. Et puis on est revenu pour un festival il y a pas très longtemps à Lampol-Plouarzel pour le festival Les Petites Folies. Et c'était super cool aussi. Donc là, je suis ravi de revenir pour cette fois une émission de télé qui risque d'être bien sympa aussi. J'ai l'impression que les Bretons sont chauds. En tout cas, moi, souvent, je parle de ça pendant les concerts. Je compare à l'ambiance bretonne quand je vais dans une autre région. Et ouais... Je crois que c'est pas une réputation, c'est la vérité. Je crois que les gens aiment faire la fête ici et aiment aller au concert. Donc c'est pour ça que je crois que les artistes aiment beaucoup venir. Dans le bagarre de l'Ambiwe. Bonsoir, Quentin. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis ravie d'ouvrir cette grande soirée des copains d'abord, ici, au cœur de la Bretagne. Ce soir, on est breton. On parle mort. Tous les plus grands artistes ont accepté l'invitation. Je vous en refais. Christophe Willem, Calogero, Julien Clerc, le Triangle, les Kids United, Julien Doré, le bagage de l'Ambiwe, Amir, Claudio Capeo, Boulevard des Airs, Bernard Braz, Slimane, Raphaël, Niosek, Natacha Saint-Pierre, Big Flo et Oli, Soldat Louis et